Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer comment faire pour jouer et on va décrypter un petit peu Nova Life. Alors, déjà vous arrivez sur ce petit message, bienvenue sur cette version de démonstration. Si vous voyez des bugs, merci de nous en faire part, merci à vous de tester cette première version. Alors là tout de suite maintenant, regardez, ça y est, alors là vous appuyez sur OK, bienvenue sur le jeu, voilà c'est parfait, on appuie OK. Et là, vous avez le menu. Alors attention, option ne marche pas, crédit ne marche pas, équité, je ne sais pas, j'ai pas envie de cliquer parce que si je clique, et ben, du coup, je suis obligé de tout relancer. Donc c'est un peu la galère. Vous arrivez ici, vous cliquez sur jouer. Créer une partie si vous voulez jouer en partie locale pour tester le jeu. Vous marquez créer une partie. C'est ce que je vais faire moi. Sinon, si par exemple, vous voulez nous rejoindre sur un serveur, ben, vous venez sur le Discord et il y a des gens des fois qui donnent leur propre serveur. Ou alors généralement, vous tapez Nova Life. Alors attendez, parce que là j'ai mis les majuscules, c'est pas ça. Nova Life. Life, je vais y arriver. .ddns.net. Voilà. Et le code, enfin le port reste le même, 7777. Et vous cliquez sur connecter et vous allez arriver sur le jeu. Là je peux pas le faire puisque le serveur n'est pas ouvert. Alors on retourne de l'autre côté et là on marquerait une partie. Alors là, on remplit rien du tout. On s'en fout un petit peu. C'est comme ça. On laisse tout. Et on va dans partie locale. Voilà, partie locale. Donc là, moi, j'ai 3 joueurs. Voilà. Alors, ça va être réglé. Il y aura marqué à chaque fois le nom parce que là, c'est pas marqué encore, mais ça va être réglé. Alors là, je vais prendre ce joueur-là. Donc on voit, il y a marqué Erwan. Rejoindre la partie. Et là, on arrive sur le fameux jeu Nova Life. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous amener au milieu, là, d'un côté. Vous allez voir, vous allez regarder. Je vais vous mettre un petit côté et vous allez pouvoir, eh ben voilà, je vais vous poser ici et maintenant on va les découvrir en vue, eh ben de caméra volante. Waouh, c'est fort. Alors vous remarquez que depuis, alors pour ceux qui connaissent Nova Life depuis le début, vous remarquez qu'ici il y a eu des nouveaux véhicules que vous voyez jusqu'ici, voilà, juste ici pardon. Vous les voyez comme ils sont jolis. En plus, écoutez, les moteurs sont allumés. Alors je sais pas qui c'est qui paye l'essence, mais c'est certainement pas Valentin, hein. Ah là 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 là. Et puis après, si on va en face, on remarque derrière les arbres, là-bas. Oh, waouh. Ah, tiens, regardez, Autonova. Donc c'est ici qu'on pourra acheter des véhicules. Ah là, ça sera pas mal, il faudra acheter des véhicules pour pouvoir, eh ben, pour pouvoir l'avoir sur le jeu. Alors là, on remarque quand même, regardez, alors je peux pas vous le montrer, mais regardez, vous avez vu, vous avez l'ombre de l'arbre qui disparaît au fur et à mesure parce que le soleil est en train de se lever. Voilà, c'est dès qu'on démarre le serveur, c'est l'aube. Voilà, c'est l'aube, le soleil qui se lève. Après, vous remarquez qu'ici, il y a plusieurs bus. Donc, par rapport aux bus, pour le moment, je... Ah ben non, ils sont tous... je crois qu'ils sont tous faits. Je crois, je suis pas sûr. Alors, je sais... Alors là, on voit quand même qu'il y a un bus avec Spock. Alors, c'est quoi Spock? C'est un jeu aussi qui est en train d'être créé. Voilà, donc c'est un petit jeu. C'est Kenny qui crée ce jeu-là. Vous retrouverez, bien sûr, le lien du Discord dans... Eh ben, je vais y arriver dans la description de cette vidéo. Vous aurez le lien du Discord pour aller sur Spock. Voilà, hop, ici, donc on voit le petit bus Spock. Alors, chaque partenaire a son bus. Donc, on voit aussi Polyorbit. Tiens, dis donc. Ah ouais, eux, ils ont fait le jeu Exoli. Qu'on verra aussi dans une prochaine vidéo que vous allez voir aussi. Donc, voilà, donc là, pareil. On va rentrer dans le bus. On rentre dans le bus. Donc, là, on voit les sièges. Pour le moment, on peut que s'asseoir. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un qui conduit déjà le bus, on se met devant. Et on dit, bah tiens, je veux rentrer dans le bus. Donc on appuie sur le bouton F à côté du bus, là où il y a marqué appuyer sur F. Et à ce moment-là, eh ben, on rentre dans le bus. Et d'office, eh ben, on remplit les places qui sont ici, les cases. Voilà, donc ça c'était le bus, on va sortir du bus quand même. Et ici on voit le dernier bus, bien sûr c'est le mien. Voilà, LRDTV, c'est mon bus. Qui est juste ici, voilà. Et après, si on va voir, alors là je traverse les murs, c'est normal parce que je suis en caméra volante. On remarque ici qu'il y a des bus lambda, hein. Par contre c'est toujours pareil. Personne ne paye parce qu'on voit quand même que les feux... Oh là, oh là, oh là, oh là. On voit que les feux sont allumés, voilà. On voit que les feux sont allumés. Ici, on a un bus qui est tout moche. Alors, on voit bien qu'eux, il n'y a qu'une place sur ces bus-là. Hein. Regardez, les bus sont vides. Donc là, il n'y a qu'une place pour le moment. Hein. Voilà, je vous rappelle que c'est une version démo, le jeu. Alors maintenant, on va rentrer ici. Je vais essayer de faire le bien. Alors là, vous voyez qu'il y a une personne. Une personne, pour le moment, il est là, il est inexistant. Hein. Voilà, et juste ici, vous avez des fusils sniper. Regardez, ils sont là. On va aller voir un peu où... Ah, il y a une grenade normalement aussi, si je dis pas de bêtises, elle doit être posée, voilà, juste ici. Voilà. Alors, je vais ressortir et on va aller voir un peu par ici. Sur le côté ici, vous avez des armes, vous avez aussi un fusil sniper que vous voyez.
Alors pourquoi il fait noir? C'est tout simplement parce que c'est l'ombre, hein, le soleil est de l'autre côté pour le moment, et 2H. Voilà, donc là pour le moment on a vu un petit peu les bus, on a vu les véhicules qui sont là. Maintenant on va aller, ah tiens, il y a Lucas Burger que j'ai pas vu, voilà Lucas Burger, où vous pourrez aller manger, parce que forcément dans le jeu Nova Life, c'est, il va falloir que tu fasses ta vie. Voilà, et on voit aussi, hein, regardez là-bas qu'est-ce qui arrive. On va se mettre juste ici, on va l'attendre le temps que je discute. Voilà, donc il va falloir faire votre vie. Par exemple, vous en avez marre à l'école d'avoir une vie de merde et tout ça. Eh bien, vous pourrez être soit policier, chauffeur de bus, pompier. Voilà, il y aura pas mal de métiers qui seront créés. Et eh ben, il va falloir incarner. Voilà, c'est du roleplay, hein, forcément. Regardez le bus, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben non, oh, il a grillé le feu. Oh, le salaud. Il a grillé le feu, on a vu, hein, vous l'avez tous vu. D'habitude, il grille pas les feux. Mais là, il a grillé le feu, je sais pas pourquoi. Et je sais pas où il va. On va suivre un peu le bus. Non, on allait voir les pompiers d'abord. Donc le Lucas Burger, c'est là où il faudra aller manger. Ah, bah bien sûr, ça sera payant. Il va falloir manger. Déjà, il va falloir travailler pour gagner de l'argent virtuel. Voilà, le jeu va être totalement gratuit, vous inquiétez pas. Mais pour gagner de l'argent virtuel, pour pouvoir après aller se nourrir. Ah oui, quand même. C'est comme dans la vraie vie. Voilà, c'est créer ta vie, enfin, fais ta vie comme il faut. Et ici, on a bien sûr les camions de pompiers. Alors là, pour le moment, je vais vous faire visiter tout comme ça. Et après, on va aller avec un personnage quand même. Regardez, les camions de pompiers qui sont là, il y en a trois. Par contre, je vais lui demander de mettre une ambulance. Voilà, il faut que je lui demande ça, une ambulance. Parce que regardez, là par exemple, il y a... Non, il n'y a rien là, je crois que c'est un mur. Voilà, là c'est un mur. Mais il faut qu'il y ait une ambulance et voilà. Bref, là vous avez ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le commissariat. Donc là, on voit deux voitures de police. Et normalement, ici, il y a les bureaux aussi de la, du Comico. Comme ils disent tous, le Comico. Avec le policier qui est là. Ici, la salle de réunion. Là, c'est la salle d'interrogatoire, je crois, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et là, on arrive direct... Ah non, encore une salle. Encore une salle. Sinon, il y a des salles partout. Ah, et on arrive là. Alors là, on voit quand même que... Voilà, là, vous avez les deux véhicules que vous pouvez prendre. Les sirènes, pour le moment, ne marchent pas. Sur les pompiers, elles marchent, les sirènes. Hein. Voilà, les sirènes ne marchent pas sur les voitures de police, pour le moment, parce qu'elles viennent d'être changées. Ici vous avez un immeuble, voilà, un petit immeuble qui va être complété dans quelques jours, hein, voilà, parce que pour le moment on peut regarder dedans, c'est un peu vide et c'est un peu sombre. On va ressortir parce que sinon il n'y a pas de but de la vidéo. Voilà, alors on va continuer un petit peu et là regardez, voilà, ils sont cachés derrière. C'est des cartes, alors à mon avis les cartes il va falloir les mettre ailleurs. Voilà, Valentin pour le moment les a mis là, mais je pense qu'il va falloir aller les mettre ailleurs parce que sinon je vois pas trop l'utilité de les avoir derrière un bâtiment, derrière un immeuble. Je vois pas trop l'intérêt. Donc regardez le bus de l'autre côté. On va vite fait aller le voir le bus. Mais d'abord je bois un petit coup de coca. Voilà. Pardon, hein, c'est pas très très pro. Mais c'est qu'à force de parler, eh ben, il faut que je m'hydrate. Avec mon certain âge, vous savez, je suis déshydraté. Regardez, vous avez vu, là il s'est arrêté au stop par exemple. Tout à l'heure là-bas il s'est pas arrêté. Et là il s'est arrêté. Bref, après on arrive ici, alors là c'est moi, c'est voilà, c'est, là c'est, là c'est chez moi, parce que d'ailleurs on voit One Store. Et oui, parce que R1, One Store, ça c'est mon magasin. Voilà. Hop, hop, regardez ici, voilà. Oh, trop cool. Super R1, oh, trop bien. Allez, on va pouvoir jouer, eh ben non, pas encore, parce qu'ils sont pas codés les petites machines. Voilà, je m'en vais. Alors, ce que... Alors, vous allez marquer en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Pour tous ceux qui font des vidéos YouTube, moi j'aimerais que dans ce jeu-là, on fasse ce qu'on appelle le musée des YouTubeurs. En gros, alors ça Valentin n'est pas au courant, il va l'apprendre dans cette vidéo. J'aimerais bien qu'il y ait le musée des YouTubeurs, qui soit fait quelque part avec le logo YouTube et tout, enfin tout comme il faut. Bon, un peu trafiquer le logo YouTube parce que je sais pas si on a vraiment le droit de le prendre. Mais voilà, faire un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, tous les YouTubeurs qui font des vidéos eh ben, sur le jeu, comme Gary's Cool par exemple, eh ben, ont leurs photos et le nom de la chaîne. Voilà, faire comme le musée Grévin, mais le musée des youtubeurs, mais dans le jeu. Voilà, comme ça, toutes les personnes qui font des vidéos ben, auront leur nom dans le musée. Bon, après, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes, sinon le musée va être un peu grand. Donc là, on remarque qu'il y a encore des bugs, hein, comme vous voyez ici. Quelqu'un a tondu et bah, c'est passé sous la route, sur la route. Bon, là, ce n'est pas encore fait, hein, voilà, c'est une démo. Alors, on a aussi... c'est quoi ce bâtiment déjà? Alors attendez que je rate, c'est quoi ce bâtiment? Bah, je savais même pas qu'il y avait un bâtiment là. Bon, on a un bâtiment qui est vide ici. On a de l'autre côté là-bas, un bâtiment qui peut vous... Voilà, c'est la Syrie. On va dire c'est la Syrie. Et vous allez voir parce que ça, vous allez bien aimer ce bâtiment. Regardez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ici, il y a plein d'armes. Voilà, et derrière le commissariat de police, d'ailleurs, il y a les cartouches, il y a les balles et tout pour pouvoir recharger tout ça.
Alors, on va aller voir vite fait. Ah tiens, ici. Oui, ça, vous pouvez le prendre aussi. C'est le camion. Voilà. Le fameux camion que vous pouvez prendre aussi. Voilà. Hop, il y a une maison aussi. On va rentrer dans la maison, voir comment elle est. Ah, cool. Ah, trop bien, ça, c'est ma place. Voilà, moi, je suis ici. Hop, bon, il faudra mettre un peu plus d'écran. Là, Valentin, si tu rates cette vidéo. Bon, tu la regarderas, c'est quasiment sûr. Alors, maintenant, on va aller... Ah, là, il y a un petit bug de texture, mais ça, c'est pas très, très grave. Hein. Ça sera refait. On va aller vite fait voir l'endroit, la centrale nucléaire. Et oui, c'est la centrale qui nous permet d'avoir l'électricité quand même, hein, faut le dire. Mais vous allez remarquer, je sais pas si vous avez vu dans le bas de l'écran quand je viens de passer, il y a eu quelque chose, on va retourner le voir hein, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais il va partir, hein. Voilà, il va pas être là, il va faire la base militaire quand même. Pour pouvoir le mettre, donc on voit la centrale, hein, une centrale basique, hein, voilà. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans une centrale nucléaire, alors attendez, je me mets pile à sa hauteur, est-ce que vous avez déjà vu ça dans une centrale nucléaire? Là, franchement, si vous avez vu ça, c'est un peu spécial. C'est un tank, un char d'assaut. Alors, dans ce char d'assaut, attendez, je vais m'éloigner parce qu'il y a le bruit du char. Ce char d'assaut, vous avez deux places. Hein. Voilà, donc il faut savoir que dans les bus, vous avez pas mal de places. Dans les bus lambda, ceux qui sont à l'intérieur des bâtiments, sans les sièges, vous n'avez que deux places. Alors, je sais plus où ils sont, mais il y a des cochons. Ah, voilà, là. Bon, ça va s'en aller. Hein. C'était juste un délire qu'il avait eu. Lors d'une mise à jour, voilà, des cochons tueurs. Alors attention, si vous approchez près d'eux, ils vous tuent. Hein. Écoutez le bruit. Allez, tu grognes un petit peu? Comment ça se passe? Non? Allô? Bon, il veut pas grogner. Bref, il y en a plusieurs, hein, mais ils vont disparaître. Ah, regardez, il y en a un autre là-bas. Quand vous vous approchez près d'eux, ils vous tuent. Je vous le dis tout de suite, n'y allez pas. Sinon, bah, vous allez avoir mal. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Eh bien, maintenant, on va retourner... Alors, vous remarquez qu'il y a des petits soucis, des moments où il y a les bâtiments qui apparaissent derrière les arbres. Bon, ça, c'est pas très, très grave. Voilà, on va aller retourner là où je vous ai laissé eh ben, la vue du personnage. Il était ici, le personnage. Alors là, on voit quand même que le bus, il attend des gens à l'arrêt de bus. Alors, pourquoi il s'est arrêté? Tout simplement parce que il a failli rentrer dans... Ah ben non, il est rentré dans le lampadaire. Bon, à mon avis, il va peut-être en sortir. Il va peut-être essayer de se débrouiller tout seul. Allez, là, je me remets. Oula. Ah oui, voilà. Là, je me suis remis dans la vue du personnage. Donc, on voit hein, le bus qui est là. Bon, on va aller chercher... Qu'est-ce que je vais... Allez, je vais chercher un bus. Je vais aller prendre le mien. Alors, là, on remarque qu'il y a une arme. Donc, on va la récupérer vite fait. Alors, je sais pas qui c'est qui a laissé traîner cette arme. Voilà, au moins, je l'ai pris. On appuie sur E. On appuie ici. On appuie utiliser. Et on appuie sur E. Et là, on peut tirer. Ouh là 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 là, il faut pas être à côté parce que sinon ça fait mal. Hein. Attends, on va pas tirer sur mon bus. Alors, polyorbit, Spock. Si je fais ça là-dessus, c'est Lyon, il va me tuer. Bon, on va aller. Désolé, Kenny. Mais ça, c'est pour toutes les fois où tu fais des pneus. Voilà, on peut pas crever les pneus, je sais plus. Ah, ça, il faut que je lui demande qu'on puisse le faire. Crever les pneus, ça serait cool. Bref, alors attendez, je vais l'enlever. Comment on peut l'enlever? Bon, on va le poser. Ah, mince, on l'a plus. Attends, il faut que je le récupère. Imaginons, il y a quelqu'un qui arrive. On va le récupérer vite fait. Voilà. Allez. Ah oui, ça, c'est un souci aussi. Vous avez vu que quand je récupère l'arme, c'est le bruit de recharger. Alors, regardez vite fait un truc. Vous avez vu que pour rentrer, si vous vous mettez là, bah, des fois, on voit pas le petit truc qui dit bah, appuie sur tel truc. Alors, par contre, regardez bien ma vie et tout ça. Je suis en train de perdre de la... Je suis en train de perdre. Je vais mourir bientôt parce que je mange pas et je bois pas. Mais c'est normal, c'est que dans le jeu, pour le moment, c'est déjà... Le système de vie est déjà mis, mais il n'y a pas encore les trucs où on peut acheter à manger. Donc là, je suis en train de mourir. Donc il faut que je me dépêche. Et avant la nuit. Oui, parce qu'il va faire nuit. Donc là, vous avez vu, quand je me mets face au bus, eh ben, il n'y a pas le petit truc qui me dit, bah vas-y, appuie sur F pour pouvoir rentrer dans le bus. Donc en fait, il faut que je me décale un petit peu sur le côté. Et là, vous avez vu, regardez, il est apparu juste ici. J'appuie sur F. Là, je suis dedans. Alors, il fait sombre, hein, mais c'est... Ah, mais c'est normal si je regardais pas en face. Oui, si je regarde là, non, c'est là-bas. Allez, là, on y va. Alors, je vais essayer de me mettre à la vue extérieure. Est-ce que je peux... Ah, voilà. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez mon bus. Il est là, il est tout joli. Je sais pas si on peut klaxonner. Sur le bus. Attends. Hop. Freine. On regarde des deux côtés. Il y a personne. On va tourner là-bas. Voilà, on essaye de se mettre comme il faut. Et là, on voit quand même... On voit qu'il y a les phares, hein, déjà. Déjà, c'est déjà pas mal. Bon, le klaxon marche pas, je crois pas. Non. Ah, excusez-moi les gens.
Il y a pas la police encore. Bon, on va se remettre dans la vue normale. Peut-être que c'est que comme ça. Oula, où je suis? Voilà. Non, bon voilà, ça... Hop, on va se remettre dehors. Bon, là, je suis désolé, il manque un petit bout de route, mais ça, c'est pas grave, ça va être fait, ne vous inquiétez pas. On va tourner de l'autre côté, tiens. Voilà, donc quand on est en vue extérieure comme ça, il faut tourner la souris pour pouvoir voir un petit peu. Donc voilà, donc le, on voit quand même, pour ceux qui connaissent Nova Life depuis le début, que les graphismes ont été améliorés. Voilà, donc tout a été amélioré par rapport au début, par rapport à la deuxième version, parce qu'il y avait la première version de Garry's School. Puis après, il y a eu l'autre version, les graphismes étaient un peu moins bien. Et puis maintenant, il y a cette version où on regardait quand même avec le soleil et tout. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir par rapport à la version d'avant. Voilà, donc là, hop, je fais mon petit tour. Et je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe un peu, voilà, un peu partout. On va vérifier ça. Donc là, on remarque quand même qu'il y a un petit étang avec l'eau pour, si vous rencontrez, imaginons. Attends, on va s'arrêter vite fait. Attends, on va s'arrêter vite fait. On remet la vue normale. J'espère que je vais pas décoller parce que des fois en fait il y a le... Voilà, ça c'est un bug qui va être réglé. C'est en fait quand vous appuyez sur... comment ça s'appelle? Pour sortir du véhicule, et bien en fait des fois on décolle. Ça dépend. Des fois quand le véhicule est encore un petit peu en marche, on décolle. Voilà, mais bon c'est pas grave. Et on remarque quand même que la nuit est en train de se... Voilà, que la nuit est en train d'arriver. Donc moi j'étais... je parlais du petit étang qui est là-bas. Imaginons si vous... rencontrer quelqu'un, que vous avez envie d'aller lui parler et tout ça, et eh ben vous venez vous mettre juste ici à la lumière. Attendez que j'aille à la lumière, voilà, juste ici. Vous rencontrez une fille, vous pouvez discuter tous les deux au bord de l'eau. Ah, il faudrait que je mette une petite musique. Attends, on va mettre. Il faut que je trouve une petite musique à mettre quand même, parce que sinon ça le fait pas. Alors attendez, voilà, pendant que je parle, je suis en train de chercher une petite musique à vous mettre ici. Ça serait pas mal d'avoir un lieu de rencontre. Vous avez un speed dating, on va faire un speed dating maintenant sur Nova Life. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de dragouiller. Bon, même si c'est du roleplay, hein, je tiens à le dire, c'est pas non plus c'est pas mythique non plus, hein, Nova Life. Vous allez pouvoir discuter avec les gens, parce qu'il y a le chat aussi. Je crois qu'il faut appuyer sur rentrée. Voilà, vous pouvez taper coucou. Voilà, et vous avez le chat qui apparaît, je ne sais pas où. Je ne sais pas où il est apparu, mais il est apparu quelque part normalement. Bon, on va regarder ça dans quelques instants. Après, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aussi? Tiens, bientôt, il va y avoir normalement... une école qui va être mise. Vous allez avoir des lampadaires un peu partout, hein. Il va y avoir plus de lampadaires parce que là il n'y en a pas encore énormément de lampadaires, mais il va y en avoir un peu plus. Vous allez avoir aussi des, comment dire, donc vous allez avoir vraiment tout le système. Il va peut-être y avoir des feux rouges aussi, hein. Il va falloir régler tout ça pour être sûr que oh, la musique. Alors je sais pas si on entend la musique dans le jeu. On va mettre comme ça au moins on est sûr. Voilà. Alors, là j'ai mis la petite musique, comme ça au moins on va pouvoir se balader. Alors, on va aller de l'autre côté. Par contre, on remarque hein, là qu'il y a un petit souci niveau éclairage. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir des lampadaires un peu partout. Sinon, là vous avez vu, on est bien éclairé. Je vais me remettre dans le bus parce que j'ai la flemme de marcher jusqu'au bout. Alors, vous avez vu, hein, il faut chercher de temps en temps pour se mettre là. Par exemple, vous me mettez là. Et là on cherche. Hop là, vous avez vu, ça apparaît, on se met dedans. J'espère que la musique s'est mise dans le jeu parce que sinon je suis en train de parler dans le vide. Voilà, donc là vous avez... On va aller... Oh, tiens, on va aller vite fait voir les pompiers. C'est par où? C'est par là-bas. Oulala. On voit quand même que le bus là-bas il est un peu teubé parce qu'il s'est arrêté et il ne fonctionne plus. Voilà, on laisse ça pour que ça éclaire. Alors j'espère que je vais pas décoller encore une fois. Attention, décollage ou pas? Ah bah oui, décollage. On essaie de revenir le plus vite possible. Voilà, bon ça c'est un petit bug, vous inquiétez pas, qui va être réglé. C'est un bug de rien du tout en plus. Hein. Des fois c'est... En fait c'est ce qui est bien. Ah mince! Ah non! Ah ça c'est le comble. Regardez mon corps. Non! 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 Ah! Ah non! Ah non, ça c'est moche. Ah, ça, ah bah tiens. Ah bah dis donc. Bon, bah d'accord. Le bug du ressuscitage. Bon, ça se dit pas ce que je viens de dire. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça nous permet d'arriver sur les toits des bâtiments. C'est excellent ça. Bon, là il fait sombre, hein, c'est normal. Hein, les lampadaires sont pas tous allumés. On va prendre le camion de pompier, vous allez voir. Voilà, on essaye d'aller là. Et là, hop. Nanana.
regarder parce que je vois pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça fait ça? On va prendre celui-là alors. Attends, wow. Mais arrêtez de me... Je vais arrêter de mourir là pour rien, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. Alors on va recommencer, vous allez voir. Voilà, on va relancer le serveur. On va relancer le serveur, ce sera plus simple. D'ailleurs, on remercie Lucien Heider d'avoir fait la musique là. Alors, on va reprendre vite fait, créer une partie locale, hop, voilà, et rejoindre la partie. Voilà, comme ça, il fera jour, tout sera mieux, c'est parfait. Allez, on revient vite fait de l'autre côté, on va aller chercher le camion de pompiers. Voilà, allez, cours, Forest, cours, saute, wouhou, vol, wouhou, le bus, il doit arriver là-bas, voilà. On va vite fait aller chercher le camion de pompiers pour vous montrer, et puis après... je vais arrêter la vidéo là et je vous mettrai tout dans les descriptions. Hein. Le lien vers le Discord de Polyorbit, le lien vers le Discord de Nova Life, le lien vers le Discord de Spock. Voilà, vous allez tout avoir. Ne vous inquiétez donc pas, comme je disais à chaque fois. Alors attends, moi je vais prendre celui qui est... Enfin, j'espère que lui là-bas il a la sirène, mais je pense. Ou alors ils l'ont peut-être pas tous. Je sais pas. On va rentrer dans celui-là. Ah, voilà. Voilà. On regarde. Oh, désolé, c'est priorité pour les pompiers. Voilà. On va se garer en plein milieu de la route. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec le bus. Est-ce que le bus va s'arrêter ou pas? Attendez, je vais essayer de faire en sorte que je ne saute pas trop. Ah, ben là on vole pas avec les pompiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, voilà, on voit qu'il fait des appels de phare. Je sais pas pourquoi, mais vas-y, casse-toi. S'il te plaît, dégage, j'arrive. Ouh. Non, lui rentre pas dedans. Lui rentre pas dedans. Stop. Ah, oh, accident. Sale bête, attendez, je vais le décaler parce qu'à mon avis, le bus, il va s'énerver. Je vais retourner dans le camion de pompier, s'il vous plaît. Camion de pompier, voilà. On va se décaler. Tiens, ah bah tiens, on peut se mettre aussi en vue comme ça. Voilà. Donc vous voyez, hein, quand même, c'est franchement, les graphismes sont pas mal. Sont vraiment bien faits. Voilà, moi j'aime bien, voilà. Surtout les graphismes maintenant, comparé à avant, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, dites-nous, hein, dans les commentaires, dites-le moi sur la vidéo, si oui ou non vous voulez le musée Grévin des youtubeurs. Voilà, comme ça. Moi, je le veux. Il sera dans la prochaine mise à jour. Faut que je demande à Valentin. J'en sais rien. Je fais ce que Valentin veut. Je fais tout ce qu'il veut. Mais je veux le fameux musée des youtubeurs. Voilà. Et... ou alors faire des je sais pas, faire des véhicules youtubeurs. Je sais pas, ça peut être pas mal, je sais pas. Je dis des bêtises depuis tout à l'heure, mais voilà. Et le camion de pompier qui est garé juste ici. Alors, pour vous laisser quand même, je vais vous laisser avec le petit logo de le bus d'NRDTV qui est posé là-bas. Voilà, ces trois bus, je répète, Spock qui est un jeu en cours de fabrication, en cours de création avec Kenny. Polyorbit Studio, c'est ceux qui font... Eh ben, le jeu Exoli, hein, que vous pouvez voir aussi, il y aura une vidéo sur la chaîne, sur ma chaîne, et vous avez des vidéos sur leur chaîne et tout, que je mettrai dans les liens de cette, dans la description de cette vidéo, je vais y arriver. Et vous avez aussi d'autres, vous avez aussi LRDTV, où vous pourrez, eh ben, un peu tout voir. Nous, eh ben, quant à moi, je vais vous dire, eh ben, à bientôt, voilà, sur LRDTV, à bientôt sur ma chaîne, à bientôt sur le Discord de bah, Polyorbit, avec Exoli, à bientôt sur le Discord de Nova Life ou à bientôt sur le Discord de Spock. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été là. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour eux. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien fait dans tout ça. Hein. D'ailleurs, moi, je ne fais rien du tout. Peut-être qu'un jour, je vous mettrai une vidéo d'un petit truc que, attention, entre guillemets, j'ai fait tout simplement parce que moi, j'ai juste posé des trucs à des endroits et c'est Valentin, Célian, Looney. Voilà, qui font tout le boulot à côté avec Nathan. Voilà, je rappelle que Nova Life est développé par Valentin et Looney. Voilà, Nova Life, que c'est le jeu sur lequel on est là, hein. Ici c'est Lian, voilà, Polyorbit, ils sont beaucoup, hein, ils sont 8, donc je vais pas tous les dire, hein. Bon, on va juste dire le principal, même si y a pas de principal. Voilà, c'est toute une équipe, voilà, l'équipe de Polyorbit dirigée par Célian. Et ici toujours pareil, Spock, donc ce qui est Kenny, voilà, Kenny qui fait son jeu et qui le fait vachement bien. Vous aurez peut-être une vidéo dans les mois, les semaines à venir sur son jeu. Moi, je vous dis à bientôt.
Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très bonne nuit. Je sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment, mais soyez sages, mais pas trop. Et n'oubliez pas, sortez couverts. Ça coûte pas cher. Bonne soirée. Ciao, bye bye.